Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je suis bel et bien enfermé, voilà, que je suis dans une merde, pas possible. Et que j'essaierai de vous filmer un peu tous les jours. Là, je prends d'énormes risques. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques en faisant venir un téléphone ici. Bon, les gars, salut à tous. Regardez, aujourd'hui, il y a le co-détenu qui est arrivé, qui vient d'arriver. Pour rester informé, tu vas mettre 4 premières avant, frère. C'est parti pour faire un bon bout de chemin ensemble. Frérot, je pense que, ouais. Là, ils sont dans le couloir. Je vais sortir les voir, d'accord ? Et toi, tu finis par la partie. Allez, vas-y, tiens. Mais moi je t'ai dit que tu toucheras pas, frère. Moi je t'ai dit que tu toucheras pas. Si je vais maintenant, je vais arracher sa tête. Mais ben, alors on fait une tête alors. Eh ben vas-y, mais je l'ai dit, je vais proposer la fête. Ça va, pas de soucis, on fait une tête alors. Vas-y, casse-toi. Je sais pas, un téléphone, même deux téléphones par mois, et minimum 16 heures par semaine, tu vas m'enfler. Vas-y, 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 t'inquiète, t'inquiète, c'est une tagade, vas-y. Vas-y, faut voir là, vas-y, vas-y. Frère, je vais voir le directeur de la prison, je peux pas rester comme ça. Il y a des mecs comme ça, qui sont en quartier VIP, frère. Et nous, on est là, je suis ici comme ça. Et non, frérot, non. Frérot, tu peux pas rester comme ça, frérot. Frérot, tiens, le sang, tu as bien vu, je suis sorti, je me mettais dedans. Frérot, je peux pas rester comme ça, frérot. Je dois demander un quartier VIP, frérot. Les mecs, ils me connaissent. Tu craindras rien, frérot. Frère, c'est à moins de 2, frère. Frérot, moi, t'es dit, s'il fallait que je sorte, je sorte. Je vais pas te tester un chien, frérot, le sang. Frère, je te connais, gros, le sang. Je vais pas te tester comment. Et les gars, Kader, même si demain il change de cellule, il sera avec moi. Et on t'oubliera pas, frérot. Même si demain il change de cellule, en vrai. Voilà, merci à lui, parce que sans lui, je me serais fait charcler. Seul. Hein. J'ai porté mes couilles, sorti, attention. J'ai porté mes couilles, sorti. Mais c'était 3, j'étais seul. Kader, il était avec le téléphone, il pouvait pas faire. Après, il y a des gens qui sont mêlés aussi. Il y a des gens qui vont défendre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est le bordel, c'est le carnage, frère. Faut que je... Là, je vais demander à Kader. C'est possible de voir le directeur, tu penses?
Moi, je peux aller voir, moi. Faut que je vois le directeur. Ils ont pas dit ça, ils vont faire la personne, c'est chaud. Chef! Non, viens, non, je sais, mais y a moyen de voir le directeur ou quoi? Hein? Y a moyen de voir le directeur? Y a moyen de voir le directeur ou pas? Ouais, mais faut attendre un peu là. Pourquoi? Parce que ils ont voulu me tuer. Ils ont voulu me tuer. Mais faut voir le directeur. Je demande un quartier. C'est tranquille, vous voulez m'en parler? Bah, si vous pouvez faire quelque chose ou pas? Vous pouvez faire quelque chose? Vous êtes tellement, c'est pas moi ça. Déjà, vous êtes arrivé, vous avez fait drôlement votre arrivée, monsieur. Mais j'ai rien fait, j'ai fait. Il a rien fait. C'est la première fois que je suis cellule. Si seulement que je suis là, je l'ai défendu. Non, mais attendez, chef, vous a balancé, il m'a dit. Mais ça fait 5. Ça fait 5-6 mois qu'il est là, lui, il a pas eu de problème. Moi, j'arrive, c'est premier jour que je sors dans le couloir. Je suis même pas allé en promenade, juste sorti dans le couloir. Regardez comme c'est. Ils m'ont pris à 3, ils voulaient me défoncer. S'il y avait pas Kader et les autres à côté, je me faisais tuer. Ils veulent me mettre à la main des tout, je peux pas rester comme ça. Si j'aurais été un inconnu. Il m'a pas dit que j'étais devant tout le monde, personne m'a dit que je m'en voulais. Je serais allé n'importe où, dans n'importe quelle prison, en tant que personne normale. Je suis un peu connu, moi. Chef, je peux pas rester là. J'ai tant de gens qui me connaissent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, faut que je vois le directeur qui me mette en quartier. Parce que là, vous allez avoir un mort sur... Je vous le dis, vous allez avoir un mort sur la conscience. Vous savez quoi? Faites quelque chose rapidement. Mais comment? Sans arrêt, toute la nuit, c'est ça. En fait, aux arrivants, ça allait. C'est là, quand je suis arrivé ici. Ce qu'on va faire, ils veulent me planter et tout. Ah, bah le tuyau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de voir avec le directeur. Bah, je comprends, c'est une compliqué. Ah, va ta cellule, toi. Va ta cellule. Deux petites secondes. Les gars, comme vous avez pu le voir, c'est parti un peu en couille là. Je vais arrêter de filmer. Le maton là, c'est à deux doigts qui voit, parce que vous voyez la porte qui est là.
Vas-y, on arrête de filmer. Vas-y. Allez les gars, bonne soirée.